présentation d'un spectacle de danse et de musique. Alors le principe c'était simple, en fait on a demandé à des hommes de faire une déclaration d'amour, en sachant que ces hommes avaient des conceptions d'amour très particulières. Il y en a en tout et pour tout 11, en fait 10 et demi. En fait il y en a 10 d'hommes et une de femmes, c'est les selfies. Donc il y aura deux passages en fait de selfies au cours de la soirée, maintenant et plus tard. Et donc les danseuses vont répondre à ces déclarations d'amour, qui sont toutes différentes, et les voici qui arrivent dans la scène. Je m'appelle James, j'ai 45 ans et je suis pilote de ligne. Je suis arrivé hier de New York, voilà. On s'est posé et puis je dois repartir demain, déjà. Hier soir, je t'ai vu au jet set. On dirait que tu avais une guitare dans ton dos. Je t'ai trouvé contrebassiste, baroque, splendide et je suis tombé en pied sur toi. Et j'ai envie de faire l'amour, trop envie. Si tu voulais qu'on boive quelque chose ensemble et puis après on va chez moi ou chez toi. Je suis à l'hôtel là, tu vois, et on pourrait se faire une belle symphonie ensemble avant que je reparte, quoi. Et j'ai super envie de toi, là. Avant que tu sois trop bourré, ben, tu veux, on y va. Voilà. Quand je t'ai vu monter sur Shérif, j'ai compris que tu es la femme de ma vie. Même si nos familles ne veulent pas qu'on se voie, même si tout est impossible, je t'attends. On va monter à Ara. Chloé, je t'attends à notre endroit secret. Chloé, on va surmonter tous les obstacles. Chloé, je t'attends. On aura des chevaux. Nicolas. Je t'imagine libre, sauvage, révolté. Je t'imagine une beauté simple, mais unique, beauté juvénile. Je t'aime parce que tu changes le monde. Je t'aime, rien ne te fait peur, parce qu'avec toi, rien n'est certain. Tu habites Paris, tu habites Collioure, Paris, Collioure. Tu as un regard de louve, je te veux, tu es une fille singulière. Je t'appellerai Luna. Luna. Ah ben ouais, tiens, ouais. Je te veux, Luna. Parce qu'avec toi, rien n'est certain. Libre, je m'appelle Jérôme. Plus
chez moi. Je m'aime parce que... Mais oui, mais le problème, il est là, au fond de moi. Je m'aime parce que... Je m'aime pour mon rire. Il est communicatif. Il rayonne. Je suis assez près. Je l'adore. Il est rythmé. Je fais des bulles enfantines. Je m'aime. Je m'appelle Hélène. Parce que lumière noire, soleil. Mon humour. Mon humour. Je fais du dressage avec lui. Et on est obligé d'être avec l'animal, sinon ça ne fonctionne pas. On est en couple avec le cheval qui irradie par son énergie. Odeur, transpiration, souffle, partage. On peut avoir l'impression qu'il danse. Plip, plop, plop, non, non, non. Du moins, on en sort la lumière. J'ai toujours connu des filles assez entreprenantes, plus que moi, qui suis une vraie quiche en drague. Tu vois ? Pas assez, il n'y a pas assez de... Alliage. Elle m'emmerde. On a besoin, tu sais, de prendre du recul, de la distance. Je presse, si tu veux, mais je suis pas pressé. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Il y a une nuance. 9 jours. Ah ouais, j'ai le scénario quelquefois. Ouais. Peut-être que je devrais réfléchir plus, mais j'y suis continuellement dans le doute. Mais là, entre-temps, moi, j'ai un épisode. Ouais, 15 jours, un mois, quoi. Alia, c'est un petit joyau, tu sais, au milieu du... Alia, ce serait plutôt une aventure, parce que pas un bon moteur narratif, si tu veux, mais... Alia, c'est l'anarchiste, quoi. Ouais, c'est ce genre-là. De luxe, un peu, tu sais, et tout, mais elle a buté au moins 5 ou 6 mecs. La trame, elle est simple, hein. Je trouve que les petites cases vont vite, quoi. J'aime bien les dialogues. Et en plus, moi, je fais pas d'ancrage. Donc, Je m'appelle John. Moi, je suis pas complet sans elle. Et elle n'est pas complète sans moi. Donc, on a chacun nos rythmes. Chacun notre musique. Quand on est ensemble, le fait de partager nos vies, ce qui manque dans ma musique, elle peut combler, et ce qui manque pour elle, moi je le fais. Moi je suis plutôt le basse et le rythme, et elle est plutôt la partie insolite et époustouflante. C'est juste parce que pour nous, c'était vraiment un coup de foudre. C'était juste, quand tu mets les instruments ensemble, tu sais que ça marche. Tout d'un coup, la vie était mieux. L'amour est un cosmique, comme la lumière une mais pas avoir plusieurs couleurs. Le mauvais est toujours le résultat d'une perturbation, d'un ordre harmonieux. Je m'appelle Aurélien. Je t'invite à ressentir l'amour hors du temps et de l'espace. Cet amour est inconditionnel, non lié à l'espace et au temps, et à en faire l'expérience depuis ta chair jusqu'à ton âme. Un échange spirituel, intellectuel, et par l'échange charnel tel qu'il nous sera instinctivement donné de le vivre. L'amour holistique, c'est en fait l'amour tout court, mais que l'on a du mal à vivre dans notre vie et dans les conditions dans lesquelles nous vivons. L'amour réellement divin peut réellement exister, ne peut être atteint que par un amour naturellement ouvert, accueillant et inclusif. Dès la naissance, j'ai eu un contact avec 3 femmes, ma mère, ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle. Si le temps se divise, l'intensité se multiplie. Je me sens bien avec 3 femmes. Si tu acceptes cette relation, j'accepte aussi que tu l'aies vers d'autres hommes. Je suis un artiste. Et en plus, je n'ai pas envie de m'imposer. Cette attirance me donne envie de vous embrasser sans vous toucher. Et cet amour... Il est dans ce désir. Vous êtes libre de moi et je serai libre de vous. Je ne suis pas la propriété
mais je suis sa priorité. Les belles turbans de riposo, chaque jour, réinventer le désir. Agadagada. Je m'appelle Timothée, je t'ai rencontré avec ton petit haut multicolore, pantalon en jean, ta belle chevelure dorée, ton visage souriant et apaisant. Nos regards se sont croisés et coup de foudre. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose entre nous. Je me suis senti tout chaud, intimidé, tout en étant très heureux en même temps. Que je t'aime. Je me suis approché de toi, je t'ai parlé doucement à l'oreille en te disant que je voulais te revoir, seul à seul, pour discuter plus longuement. Tu m'as répondu que c'était avec plaisir. Que je t'aime, que je t'aime. L'homme le plus heureux de la Terre. Que je t'aime. Traverser le monde entier avec toi. Que je t'aime. Le cerveau qui est en ébullition, c'est que des pensées positives. Beaucoup d'excitation. J'ai envie de t'offrir un bouquet de fleurs. Que je t'aime. Je m'appelle Sylvain. Et ma bulle où je veux que personne rentre. Je peux avoir de l'amour pour tout, vraiment, je peux vraiment avoir une sensation assez forte. C'est l'émotion. Ça t'interpelle certains stimuli de ton cerveau. C'est l'émotion. Quand tu le vois, ça te... Waouh, c'est vraiment trop bon. Du coup, ça peut brûler et... Mais j'aime tout, quoi. Vraiment, comme je disais au début, amoureux d'un instant, amoureux d'un endroit, amoureux de mes plantes, amoureux de mes amis, amoureux de ma famille. Une bulle, c'est un peu plus sauvage. C'est de l'instinct pur. Pour moi, la déclaration d'amour, elle se voit à travers les yeux. C'est plus que des mots, c'est autre chose que des mots. C'est la vraie déclaration d'amour. J'ai ma bulle où je veux que personne rentre. Aimer. J'ai l'impression que c'est un mot qui vient quand on est adulte. La marche, ça m'est venu plus tard, à l'adolescence. Je m'appelle Olivier. Une grande balade en nature, dans la forêt par exemple. La respiration, le rythme, une légèreté, c'est toujours être en mouvement présent, qui ne se recherche pas, ça se trouve. Je m'appelle James. Voilà. Voilà. Et je suis pilote de ligne. Dans ton dos. Jet set.
belle, là, tu vois. Et... j'ai envie de faire l'amour trop en fait. Avant que tu sois trop bourré. Que tu es la femme de ma vie. Même si tout est impossible. Je t'attends. Et on va s'aimer. À notre endroit secret. Chloé, on va surmonter tous les obstacles. Jérôme. Je m'aime parce que... Non, 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 non
J'ai toujours connu des filles assez entreprenantes, plus que moi, c'est une vraie quiche en drague. Tu vois ? Elia, prends du recul, des distances. Je presse si tu veux, mais je suis pas pressé. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une nuance. C'est l'anarchiste, quoi. Ouais. La trame, elle est simple, hein. L'amour harmonieux, cosmique. Je t'invite hors du temps et de l'espace. La naissance. Trois femmes.
l'intensité se multiplie. Chevelure dorée. Je m'appelle Timothée. Nos regards se sont croisés et coup de foudre. J'ai compris qu'il y avait quelque chose entre nous. Parler doucement à l'oreille, et avec plaisir, que je t'aime, l'homme le plus heureux de la terre, que je t'aime, traverser le monde entier avec toi, 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 c'est que des pensées positives, beaucoup d'excitation. Que je t'aime. J'ai envie de t'offrir un bouquet de fleurs. Que je t'aime. Je m'appelle Sylvain. De ma bulle où je veux que personne rentre. Je peux avoir de l'amour pour tout, vraiment. Je peux vraiment avoir une sensation assez forte. Thank you.
Thank you.
Monsieur. J'ai vu monter sur Chérif. J'ai compris que tu es la femme de ma vie. Même si nos familles ne veulent pas qu'on se voit, même si tout est impossible, je t'attends. On va monter à Ara. Chloé, je t'attends à notre endroit secret. Chloé, on va surmonter tous les obstacles. Chloé, je t'attends. On aura des chevaux. Nicolas. T'imagines libre, sauvage, révolté. T'imagines une beauté simple, unique, beauté de l'humilité. Je t'aime parce que tu changes le monde. Je t'aime, rien ne te fait peur. Parce qu'avec toi, rien n'est certain. Tu as dit ta vie, tu as dit Coulio, ta vie, Coulio. Tu as un regard de loup, je te veux, j'ai une fille singulière. Je t'appellerai Luma. Luma. Ah, ben ouais, tiens. Je te veux, Luna. Parce qu'avec toi, rien n'est certain. Libre, tu m'appelles Jérôme. La mère de mon enfant, c'est dans le vent. Ils sont sur un bateau qui passe loin. La danse, le table fin, chatouille le tour. Les vagues, quand toi agiter, c'est tout ce que je peux ressentir. Le souvenir de ma fille, ça. C'est dans le silence, quand on peut écouter. J'écoute bien nos réponses. Le vent sur le visage, un bon moment de chocolat chaud, les dents dans les cheveux.
Je m'appelle Isabelle. Je m'aime pour ce que j'ai créé finalement, mes enfants, mes lumières, mes amis, de pouvoir tellement me rompre dans la vie. J'ai toujours connu des filles assez entreprenantes, plus que moi, c'est une vraie quiche en bras, et ça passe un théâtre. Il n'y a pas assez de. L'IA, ça m'emmerde. On a besoin aussi de prendre du recul, des distances. Je presse, si tu veux, mais je ne suis pas pressé. Ouais, parce que je veux dire, il y a une nuance. Un jour. Ah oui, c'est la route de l'histoire. Peut-être que je devrais réfléchir plus, mais. Je suis continuellement en doute. Mais là, entre temps, moi, j'ai un épisode. Ouais, je pour un mois, quoi. L'IA, c'est un petit joyau, tu sais, au bout. L'IA, ce serait plutôt une aventure, parce que pas un bon moteur narratif, si tu veux, mais. L'IA, c'est l'anarchiste, quoi. Ouais, c'est genre de luxe, un peu, tu sais, et tout, mais elle a goûté au moins sa coquinelle. La trame, elle est simple, hein. Je trouve que les petites cases vont vite, quoi. J'aime bien les dialogues, et en plus, moi, je fais pas d'ancrage. Donc, je m'appelle Jean. Moi, je suis pas campé sans elle, et elle n'est pas complète sans moi. Donc, on a chacun nos rythmes, chacun notre musique. Quand on est ensemble, le fait de partager nos vies, ce qui manque dans ma musique, elle peut tomber, et ce qui manque pour elle, moi je le fais. Moi je suis plutôt le basse et le rythme, et elle est plutôt la partie insolite et plus de fond. C'est juste parce que pour nous, c'était vraiment de couscous. C'était juste quand tu mets les instruments ensemble et tu sais que ça marche. Tout d'un coup, la vie était mieux. L'amour est un, cosmique, comme la lumière une et pas avoir plusieurs couleurs. Le mauvais est toujours le résultat d'une perturbation et un ordre harmonieux. Je m'appelle Aurélien. Je t'invite à ressentir l'amour hors du temps et de l'espace, non lié à l'espace et au temps, et à en faire l'expérience depuis ta chair jusqu'à ton âme. Un échange spirituel, intellectuel, et par un échange charnel, tel qu'il nous sera instinctivement donné de nos vivants. L'amour holistique, c'est en fait l'amour tout court, mais que l'on a du mal à vivre dans notre vie et dans les conditions dans lesquelles nous vivons. L'amour réellement divin peut réellement exister, ne peut être atteint que par un amour naturellement ouvert, accueillant et inclusif. Dès la naissance, j'ai eu un contact avec trois femmes, ma mère, ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle. Si le temps se divise, l'intensité se multiplie. Je me sens bien avec trois femmes. Si tu acceptes cette relation, j'accepte aussi que tu m'aies vers d'autres hommes. Je suis un artiste. Et en plus, je n'ai pas envie de m'imposer. Cette attirance me donne envie de vous embrasser sans vous toucher. Et cet amour. Il est dans ce désir. Vous êtes libre de moi et je serai libre de vous. Je ne suis pas la propriété, mais je suis sa priorité. Belle tourmente de la réponse. Chaque jour, réinventer le désir. Ma question, je t'ai rencontré avec ton petit multicolore, pantalon jean. T'as les cheveux dorés, ton visage souriant, apaisant. Nos regards se sont croisés et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose entre eux. Je me suis senti tout chaud, intimidé, tout en étant très heureux en même temps. Que fais-je ? Je me suis approché de toi, t'ai parlé doucement à l'oreille, en te disant que je voulais te revoir.
C'est la seule pour discuter plus longuement. Tu m'as répondu que c'était avec plaisir. Que je t'aime, comme je suis heureux. Que je t'aime, traverser le monde entier avec toi. Que je t'aime. Le cerveau qui est en ébullition, qui fait des pensées positives, beaucoup d'essais. J'ai envie de t'offrir un bouquet de fleurs. Que je t'aime. Je m'appelle Sylvain. Il m'a plu de votre personne rendre. Mais je peux avoir de l'amour pour tout, vraiment, je peux vraiment avoir une sensation assez forte. C'est l'émotion. Ça t'interpelle, certaines timides de ton cerveau. C'est l'émotion. Quand tu le vois, ça te. Waouh, c'est vraiment trop bon. Du coup, ça fait brûler. Mais j'aime tout, quoi, vraiment, quand tu te dis, amoureux d'un instant, amoureux de l'endroit, amoureux de mes plantes, amoureux de mes amis, amoureux de ma famille. Je suis le plus sauvage, c'est de l'être pur. Pour moi, la déclaration d'amour, elle se voit dans les yeux. C'est plus que des mots, c'est autre chose que des mots, c'est la vraie déclaration d'amour. C'est ma bulle où je veux faire ça grand. Impossible.
et embrassez-vous. À notre endroit secret. Chloé, on va surmonter tous les obstacles. C'est l'anarchiste. Ouais.
sur ma fonction. Donc, on a chacun notre musique. Moi, je suis pas complet. Thank you.
La belle que le jour doré. Ma belle fiancée. Nos regards se sont croisés et tout le monde. J'ai compris qu'il y avait quelque chose dans tout. J'ai parlé doucement à l'oreille et avec plaisir. Que je t'aime, l'homme le plus heureux. Que je t'aime, traverser le monde entier avec toi, toi, toi. C'est que des pensées communes, beaucoup d'expériences. J'ai envie de t'offrir un bouquet de fleurs. Je m'appelle Sylvain. Et ma vie, je ne peux pas. Je peux avoir de l'amour pour tout. Vraiment, je peux vraiment avoir une sensation assez forte. On va laisser, on va se l'occuper. Non, pas de mal. Les enfants, les petits crapauds. Vous avez tout filmé ? J'ai essayé.